to telema telema to lobela mboka ye wole to suwa babi misana poasa ba depite to votaki bazo salarien bazo salarien to kele na funa bazo salarien Bazo salarien, 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 bazo salarien. Merci beaucoup, bon week-end à Bino Nyonso, Baye Nyonso et à Congo, Nazarane Sengo Makasi. Et c'est tout. Quand je me tiens devant vous, Bino Batoua Maye, les bas sages, bas hommes spirituels, Batoumoro, Batoua Boanya Makasi, Yamboka Nangaï Congo, na pèse Bino, merci, ça l'a n'aïe Sengo, parce que bas correction, bas suggestion à Bino, bas remarque à Bino, et ça l'a n'aïe Pina, malheur mingé, comme ça n'aïe grand, malé, malé, mena, roïb, ça n'aïe Kumoko, et l'eau comme moi, Yamoutouya, dans la vie, Kolila, les larati. La vie n'est pas un gâteau. La vie n'est pas facile. Pour comment, place aux zones où comment wana, pour réussir vie, pour gagner vie, ndekonangaye, et ali panangu bate. Et ali panangu bate, yaonde bozomo na la plupart, mutu mususu amoni pour gagner vie facilement, à komine nganga, à komo salab. Omoni, elo, bilo na beta bino, ce sont des choses, batu babenga nganga na yamba nganga mwa lukuta na emisyon yo, nganga wana memisa ngambu. Bantu bazo benga papa Paul nena qui n'est pas nganga wana. Mais bon qui n'est pas nganga wana pour ni. C'est une aventureuse. Mouta lukuta. Moutou ya lukuta ya lukuta. Nganga mouta za surie. Yango vie. Kene nango malembe malembe. Le moment où kene nango malembe malembe. Tu vas gagner ta vie. Tu vas s'en sortir. Mais conseil gratuit. Boule la le la rate. Devant un problème. Luka solution. Devant un problème. Luka solution. Kouluka tout sa embrouillé ni ti makabu. Non non. Faut chercher une solution dans l'amiable malé malé. Oh non, likamo na suki al okuta na oyebisi, okuta na oyebisi. Non. Yondo zomona bato ebele na famille, suki mutumo abonga ne déjà. Et sili ayebi ke mon jona lela lela na yale. Baba ni ko marginaliser bino, baba ni ko nyokola bino, ko mvuka bino ni tilma. Vie ya facile ezala raté. Kuda ta pona olinga mwasi. O jata, o sali ngomba mo. Mais pour na erosoape tankaka faut manda quelque part pour atterrir. Conseil gratuit même en tant église oh non bon, il faut faire attention pour nous avoir exaucé il faut zoape tant au comme député il faut zoape tant mais pas ka ba ko décourager yo ba non ya ya il faut coller la aller la rati non mais moi on balle la rati biso nyonso za moi si mon balle bolé la aller la rati biso obstacle bilé. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. Bandeko bakufa ki na goma mukolo ya jeudi na kosenga na biso nyonso na ndenge ya mabete vraiment to compatir na bandeko na ebele oyo bakufa ki na circonstance bakufela ki wana tozolo bele yango ya mibale ki profite le coup d'état na Afrique. Coup d'état zali ko profiter na banani toza ba réaliste. Parce que ça le coup d'état, mon te fasse beaucoup dans la voie normale, il a préféré ça le coup d'état. Le coup d'état profite, ils ont profité de la banane. Que ce soit Bandeko Nabiso à Mali, que ce soit Bandeko Nabiso à Niger, Burkina Faso, Gabon, récemment, na Gabon de Salinga, il passe. Il y a une vidéo. Président de l'Assemblée nationale, sur le Sénat, il y a une valise et belle en bon boy. Mais peuple africain, au Burundi. Ba collaborateur mususu ya Ali Bongo ba kangi bona ba valise ambongo mais ba gabonais ba africains abongande ini déjà les collaborateurs ba he ba okumbela ba na mbongo ebele ko le rapopi ah nzambi mele vous vous boni mote no repolo mote na ba na l'union soya ba kinwa ba lobby na pesi félicitations na chairman Moïse Katumbi na tourner na bandi na okata na grand katanga et surtout pour le message et surtout que le peuple avait répondu massivement il a réussi à mettre pas moins de 300 000 personnes na balabala
et c'est pas facile que la mboka ya Congo 300 000 400 000 personnes babima pour un seul individu. Donc les élections à venir, ça promet que Tshisekedi a un problème sérieux. Et ça n'est comment tout n'est que mutuna Moïse Katoum mérite-t-il ya ko ça la politique tu fois continuer na ba faire na yemoko nanya za na thermomètre ba muto zo mérite ça la politique toté muto aloba ki on la landa ki pa na yo yemoko nenga ça la politique nenga miteki na 500 francs yenda zo mérité. C'est-à-dire pour yemoko miti qui va sombier ba laver cerveau ne loko muki yenda zo mérité pour ba laver ba cerveau ba sombara. Il faut expliquer qui mérite mieux de faire la politique. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que telle personne a mérité sa politique? Tout est. Mais si tu as un critère, tu as un critère à l'ibosso probité morale. Est-ce que Moutou Azaro ça donne des leçons à la table où il y a eu? Exactement, Vandena Kitsou en la Vandeli. Lui, il a une probité morale. Parce que meilleure qualité à politique, c'est besoin de morale. Probité ou en. Est-ce qu'il y a une probité? Est-ce que c'est lui, quelqu'un qui mange dans toutes les assiettes a une probité morale et selon sa probité? Parce que la question d'abord, c'est la probité morale. Pour la monnaie qui a développé, Katoum ne peut pas faire la politique, face à la affaire. Apparemment, lui, là, a un thermomètre, il 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 a un thermomètre. Très bien, merci beaucoup. Dossier à Fally Ipupa na Gauthier Seyi y a bord à manger. Fally Ipupa porter Gauthier Seyi plainte, c'est sûr et certain. Négociation avec Zali, tout bien d'abord pacificateur Edmond Izubana, Yves Bouya, Bazana CC pour nous Rwanda ni à Gauthier Kimia, départ et d'autres mais trop le bel amour pays sous tout banana qui profite le coup d'état en Afrique. Tiens, n'agna banana dossier à Gauthier Seyi. Et ça culture me combien ma bé. Pas politicien, dans la star et la politique, n'a pas n'a pas star et la musique. Ça dit, si ils sont dans les faux, batouba le batte batika bamba détruit société. Et comment, quelle est cette culture si un journaliste investigue, il donne des informations, investigations, il faut pas porter qu'à la plainte. Fallu pour pas n'est pas intelligent ou n'a pas d'intelligence, il va répondre pour éclairer l'opinion. Et puis, Fallu. Quand Romo Fundabatu, parce que lui, il a quelle moralité à la société, comment permettre à Fundabatu. Pour bien sa rabat la batou mitakala, pour y mouga finga rabatou, azo bébi sa batou, ce qui fait que PC est pouvoir. Tout ça, c'est à cause de nos dirigeants. Fali pina na finga, non, il risque de faller à finga terre. T'es déjà la coutume, la culture africaine. Bisou à Bantou, babine sa rabat, c'est mitakala. A ça, la honte, ça l'a raté. Si on te reproche ça, il faut porter plainte. Moi, n'aï si go la ligne raté. C'est donner des épaules à Fally. Boutique à Salam. Boutique à Salam. Donc, dans ces pays, les politiciens ne sont pas quand ils sont Fally par l'amour qui porte une plainte. Et va te battre sur l'anaï. Parce qu'il est qui? Pas bête à la musique. Arrêtons quand même. Donc, si on me bête à même musique, il y a un drop, il y a battre ça n'importe quoi. Est-ce que la question majeure, un intellectuel débat sur des idées, c'est que Gauthier Seyi avait dit, il était dans le faux ou il était dans le vrai? Si Gauthier Seyi était dans le faux, Fally Ipupa a une cellule, une équipe de communication. Pourquoi ils ne sont pas venus de défendre? Moutou Alobari n'a pas mis Batoua qui parle la culture, par Koko, c'est la politique. Lui aussi défend Fally. Est-ce que ma diversité a Fally va gagner si Moutouane? Il a aussi un politicien jeune qui défend Fally. Non. Nada pour ça tant comme on a été hier avec un plateau na Gauthier à donc défendre Fally. Est-ce que bateau oh il a critiqué qui est basé mon qui est ma fundie d'ailleurs lui il a tenu des propos que bateau ferré banane basé mon qui est mais Gauthier était dans le normes dans la qui a débat à travers un débat pour expliquer que tel avait pas de contrat Fally pour pas signer un contrat T bateau tu vas signer un contrat la Vivendi basé là qui na sous-traitance c'est ça l'infraction. Et puis, dans la justice, quand on vient porter plainte, premier élément, c'est ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Il y a utilisation à plainte. Est-ce que cette plainte est une opportunité pour nous faire la moutou?
Est-ce que Fali, que représente Fali dans la vie à Congolais, vu la situation générale à Congolais, Fali représente quoi? Un musicien. Il est un journaliste. Gauthier, c'est pas journaliste. Donc, utilité Fali, n'est pas la terabilamba minene, wana, balabalandaka, yamwande, a refondé la paix monde. Arrêtez cette histoire, moutoumou alay nanda kounaye, à celle sur Babylo, on a bouzo, baka fondi, moutoumou, rebo négocier naye. Fali, aza et l'okote, namboka, ou a paraye, marande, batoutou, baye, mar. Nenge ba innocent, baza, bagez, maouete, baza, batoutou. Ba nenge ba moezi mbi ba za biloko te ba yemaka kaka nenge ba profi ba tangisaka okuna pesa kaku okuna teka kana wenze baza nenge moko. Arrêtons cette histoire que muntu so ba lobi na yake funda batu. Donc les gens ne sont plus. Et puis moi je considère que Fali et son équipe, il y a pas d'intelligence. Comment ça? Première intelligence Fali ba yaba prouver que Gauthier Seya menti. C'est bon, ba jugeons mieux la justice. Ba même on la justice parce qu'ils sont faibles. Et je mets que na marambo o royoka kaka soule kauka conseiller ya sa madukonda ozanakati o royoka yango soule kauka wana bachana o fali sala cop na sa madukonda bachana kabinene c'est lui qui est à la base de ça. Fali n'a pas la capacité à porter côté ses plaintes. Si c'est fait, c'est soule kauka et sa madukonda. Ah, ucha sa madukonda mais pas wande madu mais pas toi Fali soule kauka dans la cabine ya nani. Si on a conseillé, on va gagner la cause, ça a la primatité. Comme ça, tout le monde a ordonnance, tout le monde a arrêté et décret loi portant nomination au conseil de cabinet à premier ministre. Ce bon monde a monté à Fali à Zakunati. Merci beaucoup. Alors, cette position donne l'occasion à Fali pour pas Yorubando Kangi Sarabatu. Et puis la presse, qu'est-ce qui vous manque pour appuyer cet embargo à l'égard de ma blonde à Minoti? Mais presse solidarité, ça n'oublie pas. Tout le monde n'est pas journaliste. Et aussi, après, il y a des journalistes qui sont appelés sur le net. Il y a des grammiques, des pites, des tiennes, des limousines, des fallues, des tourlots, des ramenotes. Et ça n'est pas le monde qui est appelé sur le net. A regretter. Au bac, c'est Israël Moutombo. Il y a des journalistes, c'est l'infirmier. Il y a des journalistes. Tout est volé, tout. N'appelle pas honorable Eliezer Tambombo. Il est pas honorable, c'est un assimilé aux honorables. Honorable, tu n'as pas maman sérieux. Et le bon, tu es ça. Chité, c'est voilà, mon tournoi n'a pas c'est Fali, à la maca sur fond à côté, c'est Soule Kauka accompagné par Sama Lukonde. Ne bat pas ça les locaux. J'ai dit à Sama Lukonde, son cabinet est mis en place, payé par les peuples congolais. Mon avis. Pour résoudre les problèmes des Congolais et non pour qu'ils utilisent un bon moyen cabinet pour régler des comptes aux citoyens et de défendre des artistes et musiciens. Sur l'année, il fallait la musique qui est lourde et contre la question des actes. Très bien. Merci beaucoup. Qui profite de la coup d'État en Afrique ou Ibaniko Betamar? Et comme vous voyez, moi j'ai mon bruit. Il y a eu qui, dernièrement, na Rwanda, il semblerait président en Paul Kagame a changé ma généraux presque tout à Ningisi Ningisi n'a eu que nous il semblerait sous son Ouganda na Burundi qu'on appelle mon robin n'a pas ses alliés n'a Congo Brazzaville à Babibé Tansi Bani la monnaie à et comme on voit mon pépé mon bouzou à mérisement à Congo voyant la montée donc en fait banani baso bénéficier n'a pas coup d'état ce sont les occidentaux babeti balassima pour pas changer format et gestion. Il y a un pays africain ou bien un pays africain qui a pris conscience. Non, on ne prend pas conscience à Tiwan. Parce que la conscience est beaucoup plus grande. Le problème Afrique, la politique est rimée à la culture, la civilisation, la coutume à chaque peuple. Notre civilisation, notre coutume, notre culture n'est pas la même ou ne sont pas les mêmes dans la culture occidentale. Ce qui fait que vous remarquez en Afrique, la notion de la démocratie occidentale est très mal comprise et très mal pratiquée. Parce que l'Afrique au départ, africain au départ, a un mode de vie, a une culture. Mais dans tout ça, c'est la politique, le musicien qui sont sortis de la culture, les politiques, y compris les églises. Les églises. Quand un pasteur te dit que culture, na yo, coutume, na yo, civilisation, les agindoki.
il te pousse de sortir de toi aux asouyotes pour mon toi azangi culture azangi civilisation azangi kouti azangi culture. Ça veut dire c'est un vent qui se recule, c'est un homme qui n'est pas qui n'a pas sa raison d'être. Bah si biso bah la qui si biso que culture à mondele et ça a bien les gars biso. Oh, on a tout n'arrive pas pasteur. C'est quoi la coutume? Coutume c'est encore la bizarre les modes de vie. En quoi c'est la sorcellerie? En quoi est Zagindoki? Oh, bah, toi, ma pasteur, bah, t'es ma coutume, bah, Afrique, Zagindoki. Ça dit, au moins, religion, c'est vraiment de l'opium pour un peuple. Peignons sur l'église et les rebelles, les religieux, les rebelles, les pays où on a qui n'a rien à disparition. N'a tout n'a pas tout dernièrement, même pas pasteur, pas répondre. N'a tout ni pays, t'es province, t'es tout région, n'a pas pays moussous, ville, t'es communauté, territoire, t'es avenue où ils allaient développer pour assembler la mine. N'a n'importe quel pays au monde, avenue, tori, où ils allaient développer pour battre, on a assemblé la mine. Voilà les mots. Yami balé. Avant non, on a déjà surtout que mon développement niveau ma quelle l'obé existe la ramasse. Oh, la Bible même interdit. Yamoutou sur la Sambela, Moutou même à Pembenayouk. Parce que la Bible a déclaré que dans le livre matière, Matthieu, si tu veux prier, quand dans la chambre, non. Entre dans ta chambre, ferme la porte et les fenêtres. Car la personne que tu pries est dans les secrets. Il va t'écouter en secret, c'est lui qui te rendra public. Ce qui se passe dans l'église, baffle, bateau, semble la bateau sauter. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Tant que bateau le baque, tant que babi nous amène au rendre au public, c'est-à-dire, bateau surtout qui nous repose, nous n'avons pas la rabouer, les lois, c'est pas nous, nous n'avons pas molé par rapport à Moussa Anaï. Bateau a commis bien, c'est-à-dire, Dieu a fait par rapport à un travail. Si tu ne travailles pas, même si tu pries 1 million de fois, c'est le logo de développement, et ça, Moussala. Et ça, prière. Le travail. Le travail. Et la meilleure prière et histoire à l'humanité depuis Nzambe, c'est le travail. Bako la Bible, bako le livre, la région, tout le temps, bako le livre. Mais besoin de l'équipe, on a un nombre d'églises, on a un nombre de croyants. En Israël, la majorité sont des musulmans, ne sont pas des chrétiens. Après le musulman, il y a des judaïstes, après il y a les chrétiens et d'autres religions. Pourquoi pas les Israéliens sont des chrétiens? Ils sont venus ici, la religion, ils sont venus ici, au Liban, qui s'appelle comment travailler pour. Parce que la Bible nous le recommande en Genèse. Dis-moi, voici ce que dans la Bible. Mais, parmi les lecteurs, il y a un livre. Ok. Abi, je vous donne le pouvoir de travailler, de transformer et d'assujettir la terre. Quand vous regardez le Congo, l'Afrique, est-ce que l'Africain est capable d'assujettir la terre? Mais entre-temps, c'est le peuple qui prie beaucoup. Alors, si on doit prier, on doit se conformer, on a écrit à religion de Sambelate, tu pries quoi? Sur les 5 continents que nous avons, donc continent africain, Sambelarama, Casco, simple chose. Simple chose. La religion est basée sur les écritures. Yozo Sambela. Parce que la religion est différente de la spiritualité. La religion est basée sur la foi et la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire les écritures. Alors, les écritures te demandent d'assujettir. Toi, tu es incapable d'assujettir, mais tu vas à l'église. Ce que Sambela. Et au moment même, il ne faut pas faire comme les hypocrites. Battez les marins là-bas, coin, bas au Sambela, les colons à la synagogue. Ça veut dire à l'époque, les lobes église, la synagogue à prière à haute voix. Pour la qui s'abattouque, la Bible les condamne, mais c'est ce que les chrétiens font. Au moment où on semble, faut pas mon agalon, moi, il y a quoi, à zongi, après, dans ma robe, dans l'église. Conséquence, il y a un défaut par l'avenir. Il y a un défaut makala, il y a un défaut secret. Mais si on tourne combien de temps au prière, il y a 20 ans à la chrétienté.
20 ans aux alas musulmans, rien 20 ans à Maïkari, rien 20 ans à Roswa. Mais pourquoi Bando Banda au Defaka Mapa? Cherche-toi un travail. Et ce travail-là, ce climat, il y a un travail. C'est la classe dirigeante qui crée ce climat. Le bon climat des affaires. Or, chez nous en Afrique, l'Afrique est dirigée par un groupe des oligarques. Donc, tout le monde est puissant, il y a un danger, il y a un papa, il y a un papa. Le peuple est abandonné. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas la classe moyenne. Nous n'avons que la classe des riches et des pauvres. La classe moyenne n'existe pas. Il n'y en a pas en Afrique. Pourquoi le main d'œuvre n'existe pas? Et surtout, excusez, tant que le baronne, oui, on a talé une image à président de l'Assemblée nationale et à Gabon. Il y a Mbongo. Mais la émission, c'est exactement à Gabon. Même ici chez nous, au moins, on a un peu de temps pour qu'on soit politicien. Si on a un peu de temps pour qu'on soit politicien, même chez nous, c'est ça la réalité. L'Afrique est dirigée par des oligarques. Il n'y a pas de gens censés transformer la société en Afrique. Par exemple, on a plus d'exemple à Moko. Ah, na Congo. Zela, Zela Malembe. Il y a 23 653 candidatures à travers la République pour la nationale. Nationale. Après traitement, on va maintenir, il y a un salut, il y a un belé. On va rejeter Missoussou, il y a 23 653. Oh, on a 23 653, on a 500 députés. Donc, 23 653, mais la provinciale n'est pas notée. C'est dans la nationale. Oh, pour battre campagne, et t'as le minimum c'est 5 000 $ pour battre campagne, il y a moins bien. Il y a moins au bien. Au niveau national. Si on dit 5 000 $, on multiplie en haut par 23 653, ça fait 115 millions, plus de 115 millions $. Or, pour créer une banque agricole, ça demande 60 millions. Pourquoi Batona Basangani Kaate, parce que les banques agricoles. Pour créer une banque. Pour créer une banque commerciale, minimum c'est 70 millions $. Vous savez, le roi Barobank, Batembe. C'est l'unique pays au monde, le Congo, comme État, qui n'a pas sa banque commerciale. Toutes les banques que vous voyez ici sont pour les étrangers. Mais les gens ont quand même l'argent. Mon voisin n'a pas remboursable. Parce que dans ce cas, on va rejeter la candidature. On va maintenir. Tant que on va rejeter, tu vois que les Congolais, ils ne savent pas comment créer une entreprise, créer la richesse. Or, tu vois, tu as la salle là. Yoche, va bien avoir une entreprise à participation. Il faut le voir, Bosangisi. Bosangisi. Parce que les entreprises, va bien avoir une entreprise à participation. Toi, Bosangisi, bon, entreprise, vous définir ma action, ma part et à mon tour. Vous allez donner les emplois aux Congolais. Une banque agricole peut engager 30 à 50 000 personnes. Donc, Bolongoli, tout le chômage est diminué. Banque agricole, ça veut dire que vous allez commencer à vendre les semences et produits. C'est-à-dire que nous aurons notre production propre au-delà des emplois et nous allons créer nos propres semences. Semences, c'est Bissomo. Il y a Bissomo. Oui, semences. Mais si vous êtes salé, vous êtes pourquoi pas? Tu vas y aller en Afrique. Pose-moi un mot à la stable, il faut qu'il y ait la politique. La politique. Quand on a eu deux jours dans ma carte, on a eu. Oh, tant qu'on a la politique. Quand tu n'es pas capable de donner le meilleur de toi-même, tu n'es pas bien bâti pour faire la politique. Parce qu'en politique, on ne devient pas riche en faisant la politique. Voilà, c'est la seule présidente. Bagbo, Laurent Bagbo. Le journalisme, la magistrature, la politique, ce ne sont pas des métiers où les gens deviennent riches. Il faut aller là, vous créer une banque agricole, vous en avez affaire. La politique, l'État met simplement ses agents à l'abri des besoins. Ça veut dire, nous avons gratuité en cinéma, bah, tiens, on a meilleures conditions. Moi, dans le temps, on a soins médicaux. On te donne l'argent que pour foutre en dac ou sur maman abonnement mon internet. Pour les latins, on a un qui est là-bas. Mais ah, l'État, ils n'ont pas tout pas comme un mouton, ou pas comme un ministre. Comme des... Et conséquence, les gens sont prêts même à aller faire le fétichisme pour qu'on m'arrête de péter. Et conséquence, les gens sont prêts à quoi empoisonner Batou pour avoir poste. Conséquence, il y a plusieurs frustrations. Et bah, frustration, la gestion. Public et même à coup d'État. Dans la catalogue de la frustration, normalement, on a une injustice. C'est-à-dire, par exemple, Salomon. Boukangi Moutou,
Bozi ba prévention o bola ki sayi ki bokangelie. Bino bolobi ezaki yamote. Mais vous gardez quand même la prison. A comme malade, il y a traitement, bon bien que soit traitement. Si Salomon a un groupe où il y a des milliardaires, ces gens-là vont arriver à ce niveau. Alors quoi, soit on y va en rébellion, soit en coup d'État. Ça veut dire. Voilà, c'est exemple. Le bon ou bien. Ça veut dire ici, quand vous êtes au pouvoir, simple conseil à ceux qui dirigent en Afrique. Personne n'est fort éternellement. Et il n'y a pas des gens qui sont créés pour être faibles toute la vie. La roue tourne. Nenge loba Héraclite de Fès. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Ça dit, tu peux être fort aujourd'hui. Demain, tu peux devenir faible. Et le faible d'aujourd'hui peut devenir fort demain. Exemple, na Congo, qui pense, pouvait penser un jour que Caleb Mouton pouvait demander pardon? Qui pouvait croire un jour Sada qui disait que fini maman non peut finir maman naï coup sur coup à revoir nanangaï avec coup sur coup tu revois nanangaï dans ma belette azoye mbappé tu kendete tu là là-bas bon match c'est que déjà bon bijou ça dit aujourd'hui Sada il est faible mais tu sais que dit qu'il essuyé des gaz hier aujourd'hui il est fort très fort et tu sais que il doit comprendre que demain lui aussi sera faible et c'est là va pour tous les dirigeants africains. Personne n'est fort éternellement, personne n'est faible toute la vie. Arrêtez de frustrer les autres, arrêtez de frustrer la société, d'asphyxier la société parce que. Et pour ça, ce n'est pas normal. Mais, le coup d'État, dans l'histoire à l'humanité, est avant ça, pays morotier. Le coup d'État, dans l'humanité, je voudrais que Batoua Tanga n'a pas pays morotier, comme un danger pour un coup d'État. Or, plutôt, Batoua Tanga n'a pas pays morotier, comme un danger parce que le peuple s'était révolutionné. Et non par des coups d'État. Non, on peut faire un exemple. Les gens aujourd'hui créent qu'il faut que la Russie vienne. Je veux qu'un expert en sciences politiques me dise. Donc, Russie en Afrique. Non, aucune idée. Je veux qu'un expert en sciences politiques, expert en la politique africaine, Aïbissango, bien politique internationale, pays Nini a travaillé à pas comme ça, pays nous se développer. Ça n'existe pas. La Russie est dans ses intérêts, est en train d'accroître son influence. Parce que quand on est dans le rapport de Fox et les États-Unis, les États-Unis viennent avec l'OTAN. Plusieurs pays, Basangani, Basali, OTAN, États-Unis ont chapeauté. La Russie vient seule. Et la Russie veut créer une influence pour donc il n'y ait pas Zoya, Azana, Batuna, Simane. Donc il n'y a rien d'intérêt à l'Afrique. Exemple. Qui sait que, est-ce que Yoyebi qui réussit en Centrafrique, Poutine gagne $1 million le jour? La Centrafrique est. La Centrafrique. C'est un État faible, pauvre. Mais Poutine prend les soins, il y a Rojoa Bango. $1 million par jour. Poutine organise le sommet ici Afrique à dépasser $250 million. Mais sans une année, Poutine a joué 365 millions parce que par jour, il gagnera 1 million. Sauf que en une année, c'est 365 millions. À dépasser 250 millions. Ça veut dire que c'est la Russie qui gagne. Est-ce que le peuple riche sont prêts? Bonjour à Mindou qui n'a pas bien à Bamba, après son point d'Afrique, Bamba aussi Ganani. Et la logique de la gestion internationale. Le pays qui vend les armes, c'est ce pays-là qui crée des troubles. Or, la Poutine n'a que ses armes pour vendre actuellement. Ça fait 2 ans et demi que Poutine a été au Mali. Combien d'entreprises créées? À part Global TV, sur le terrain. Quand vous fuinez, vous contactez les. J'ai eu cet avantage, j'étais dans le mouvement citoyen Lucha. Vous discutez avec Yanama ici, Abisso Auto comme esclave. Dans Mali, les gens sont esclaves. Après coup d'État. Après coup d'État. Parce que, là, tout n'a rabat. Poutine, aïe, aïe. Nana, on est président du pays, naïe, à se comporter le roi Poutine. Poutine a 4 rabat, on a balolé, mon commis, baba, à jour. Poutine. Dans la lingui, tout le monde se plaît Poutine à Yara. Ou bien on a le cas de bon le monde. Baloté, balobaké, Tshisekedi se comporter comme Poutine. On ne met pas de lingui Poutine à Yara. On copie des bons modèles, non? Alors, comment Poutine est un meilleur modèle? On est tous élargis. Tous ceux qui ont la police, ils ont déjà abandonné pour se comporter le rôle de Poutine. Au moins, les bateaux, ils ont commis à Poutine, ils ne vont jamais. Tout le monde. Donc, c'est vouloir une chose et son contraire. Mais du côté occidental, tout le monde est impérialiste. Les impérialistes ont eu une chance, l'ascendance sur l'Africain, rien que par la colonisation.
rien que par la colonisation. Mais un esclave, c'est celui qui est en difficulté, qui développe les mécanismes et comment sortir de la difficulté. Comment est-ce que vous êtes vendu tous ces là, bateau bâti sur la difficulté, mais vous êtes sur la difficulté. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'Africain a développé comme nouveau paradigme politique pour qu'il y ait une difficulté? Besoin de la France, besoin de boire l'or en France Afrique, mais besoin de la Russie Afrique. Autre la France, c'est là que Macron Bengi va fraiser les Africains. Mais la Poutine vient de le faire, tout le président africain va dire réussi, Poutine a tellement sur le bas. Alors, vous avez besoin de tout, vous avez besoin de changer le système. Or, la meilleure chose pour changer l'Afrique, il faut définir une ligne politique africaine. Merci. Et la modèle africaine. Surtout ça, à monter. Si le peuple africain pense que le sali de l'Afrique viendra de l'Orient ou de l'Occident, nous sommes en train de se tromper et nous allons continuer à nous tromper longtemps. Mettons nos intelligences. Par exemple, l'autre jour, la cité. Moi, j'ai un projet, j'ai écrit, j'ai déposé. À l'époque, Billy Kambale était ministre, il y a jeunesse. J'ai dit à Billy Kambale, ce ne sont pas des animaux, mais c'est une richesse qu'il faut transformer. Regardez nos universités. Et moi, j'ai vu d'autres, on a vu, on a vu nos formations en Afrique du Sud. Non, il ne faut pas suivre ça. Surtout quand on gratte. Il y a un scandale. Je ne veux pas entrer là parce que c'est une image. Je ne veux pas entrer, pardon, là, c'est la politique. Maintenant, réfléchis. Ah, ok. Ouais, on salue bien. Ces enfants que vous voyez ici, c'est une richesse. Une grande richesse, je vous dis, par mois, pas moins de 100 millions de dollars. Voilà. Je fais des calculs. Écoute, Beta Bilo. Au moment où tu connais ce yaka, il y a l'État. Il y a un peintre au monde à la tête, au DGRK, peintre à la police. Rien que par peintre, on a par année. Si vous avez 4 échanges à charron automobile, il y a la police dans l'armée, c'est pas moins de 40 millions de dollars. Ou bien, vous avez un Libanais, vous avez un imaginez que tu transfères, tu transformes dans la main d'œuvre locale. C'est 40 millions de bimassous. C'est pour nous. On peut construire des routes, des hôpitaux. 40 millions de dollars, c'est 35 hôpitaux modernes. Mais on les jette. Tout ce qu'on a tout ce le lot congolais, l'école technique et koufa. Moudou doit dire que fois qu'on a la politique, on commence à la droit. Droit. Économie, journalisme, sciences politiques, relations internationales, sciences sociales. Sauf qu'il y a une peine département psychologie, il n'y a plus de gens. Or, nous avons des psychologues pour changer la mentalité. Mais tu un changement de mentalité, vous allez le faire avec qui? Il n'y a pas de psychologue dans la République. Vous êtes mécanicien, vous êtes à votre changement de mentalité. Changement de mentalité, mais ma psychologue de société, basati. Tout ça, c'est un problème. Mais banana, surtout créer un centre de formation, on les transforme à une richesse, en main-d'œuvre locale. Bah, chinois, bah, tini, là, je suis pas prisonnier au salade. Les Chinois, bah, tini, 20 personnes, ingénieurs morts. Mais est-ce que nous allons. Nous sommes prisonniers. Bah, prisonniers. Puisque tu aurais qu'on exporter main-d'œuvre dans la société. Parce qu'on n'a pas de bons politiciens, on ne veut pas réfléchir. On réfléchit comment créer des mécanismes pour voler. Comment amener les contrats primaires à gold, primaires à metals, comment brader le marché central, fikin, pour que tout soit bon. Mais le vrai problème en société, personne ne réfléchit sur ça. Quand je dis personne, alors personne. Tous sont dans les intérêts. Et dans les intérêts privés, mesquins de ventripotes. Très bien. Merci beaucoup. N'oublie jamais de s'abonner à la chaîne sur YouTube. Les longs Ali Weekend. Nabi ba parent belé ba te vin boti kayou ba ton sousu lelo vanda papa na mama na ban na palin hein bo beta ma solo culture wana pe si là biso à l'époque papa beta biso na village na bino zalaka bo zalaka bo aujourd'hui ce n'est plus les cas papa va démissionner donc au moins Nabi ba cause à Kouluna les parents sont démissionnaires oui mais lelo ceux qui travaillent sont pas payés parfois mal payés parfois sous payés très bien et puis le bilaraba Kouluna non cité ana mais balinda na soit basi il y a Mikio Babine et l'argent à Baba. Tu peux ça, on a combo, Baoudjan. Bango, ça va plus dangereux. Tu bas à Mikio, à Bassé, à 15 ans, à 15 ans, à Babine, à Rabina. Tu peux ça, on a combo, Baoudjan. Au lieu nous, les intellectuels, toi réfléchis comment récupérer ces enfants. Tu peux ça, on a combo, Baoudjan. Oh, Banana, ça va plus dangereux. Toi, la tchèque, on a terre, ma Baba, parce que la Nengan Bana, ça va dangereux. Quand les cabanes, on va aussi ma machette. Parce que Bangonde va se faire des bosses, on a un robot, on a un état où on va encadrer. Plus tard, nous aurons multiplié le nombre de Kouluna. Au lieu de penser comment réguler cette histoire, dites-moi, c'est plein de Bangon. Bangonde va se faire des bosses. Yo, c'est plein de Bangon. Mais putain, la Bible, je parle de la société. Ah, ok.
Parce que c'est la société. Comment est-ce que on va au CP là? Comment est-ce que Batubaro Rwanda, Bamoni et le phénomène y a bon peu société. Mais déjà là on va limoir et banan. Bazali, bazan a babara sur moni babara fonga moni banan moi 15 ans. Au moins là, bisous moi bah intellectuel hein. Parce que les Obengaye. Obengaye pe. Aye pe. Non ben, non seulement c'est lié mais au dessin au pe ça va on peut au catégoriser ban au catégoriser ba Ujana. Très bien, c'est anormal. Le problème du Congo, ce ne sont pas ses enfants. Le problème du Congo, c'est son intellectuel qui est corrompu. L'intellectuel n'est plus là où il devait être. Parce que Gabriel Marcel dit, on n'étudie pas pour soi-même, on étudie pour rendre service à la communauté. Très bien, merci beaucoup. Hein, bah pareil, les lobbies, nos papa Android, n'a pas iPad, bon mec un peu au PC. Moi, on a 14 ans, on a mis l'iPhone 11. C'est quoi ça? Tu veux te dévier de l'école? Mais moi, on a battu la libanda au PC. iPhone. A ce moment, on a iPhone. Bon, Moussa, l'iPhone, il y a un regretté. Très bien, merci beaucoup. Non, c'est que Otolo, c'est sérieux. Lélo. Combien de parents basou mais là-bas n'ont pas livre? Combien de parents au basou mais là-bas bêta à histoire et à comment? Est-ce qu'il y a nombre de bibliothèques? Combien? Est-ce qu'il y a de bibliothèques? Regarde dans quelle bibliothèque il y a une université, l'unique université pédagogique en Afrique. Il y a que des TFC. Des TFC, c'est pas livre vous êtes. Non, dans ça fouille à peine. Na quel coup na? Na coutira ma mémoire la TFC à battre. Mais la livre vous êtes. Il y a pas de livre donc la documentation n'existe pas. Aucun n'a pas école là. Il n'y a pas la documentation. Aucun de partout. L'État congolais a préféré. N'a pas un exemple. Toi, la crise, il y a Covid-19. Toi, la max 2020. Covid et Yao. Toi, comme il y a 2021. Tout intellectuel, quoi, on a géré, c'est qu'il y aura une crise grave après, économique et alimentaire. Parce que Covid-19, ils ont le rôle de la peste espagnole aux Alaka et pandémie Yaka après Première Guerre mondiale. Moi j'étais en prison à l'époque. Na zo sur na mutumo na zo ipsai. Moni le quoi Covid o. Ba mon esili et zongi et si les zongi parce que ça va toucher l'économie mondiale, ça va toucher les secteurs à production. Mais regarde les réflexes y a ba dirigeant na biso. Ils ont pris 27 millions de dollars. Ma question me la va député ba palissade. Ba zui Bukanga Lonzo. Tana ba Bukanga Lonzo mbongo te pour ma tata ba la nena ma ramener. Ba zui ma belé ya Bukanga Lonzo. Ils ont vendu en 2021 dans le Canada pour ballon à Diamba. Or, ce qu'on continue à souhaiter, c'est la rabattracteur pour nous faire bilan. Si vous en avez 27 millions, vous avez 2415 tracteurs. Très bien. Ah, quand on parle du Congo. On comprend une notion de priorité. C'est-à-dire, nous n'avons pas de dirigeants, nous avons des opportunistes. Non, c'est la vérité parce que même nous, on a eu ce mois, on a eu ce mois, on a eu ce Nanda kuno soba no balali nzalo ke somba voiture. Nanda. Ah mais il y avait un choix à faire entre les palissades. Martin Luther King si ma mémoire est bonne, il dit il faut faire le choix entre les champagnes pour un groupe d'individus et l'agriculture pour la communauté. Tshisekedi et ces hommes ils ont opéré un choix, le choix de donner les palissades au lieu d'acheter des tracteurs parce que culture à maïs soloni maïs la saison normale, culture non c'est 3 mois. Non c'est le calcul. Est-ce que le Congo a 25 millions de Congolais qui vivra sous insécurité alimentaire? Et dans 25 millions, 15 millions qui souffrent de malnutrition aiguë. 7 millions dans la province, il y a l'espace Kasai. Ok? Mais quand on a wana, ce Boloni Masango, et on laisse 50 millions de Congolais. Va poser la question à tous les nutritionnistes. Quand on a Boloni Masango, c'est pour 50 millions de Congolais. Or! Tout le nutritionniste, tout le monde a une psychologie génétique, ou une psychologie de l'enfant. Moi, la nuance, on a de 0 à 4 ans, soit souffrir de malnutrition, c'est-à-dire moi, on a perdu 60% de la capacité intellectuelle. C'est-à-dire ici, nous avons 16, 17 millions d'illettrés métrotiques dans ma classe. On a perdu la capacité intellectuelle. Pour moi, on y a bien été. Pour moi, on y a bien été. Parce qu'en psychologie, l'alimentation, c'est un élément moteur du développement intellectuel de l'enfant. Moi, nous allons à bien été au monde à la limite. Très bien. Merci beaucoup. L'isolé à Goma. Où en sommes-nous? L'isolé à Kinde. Nous allons vraiment calme. Où expliquer son nom? Déjà, primo, à Goma, tu sais qu'il devait démissionner. S'il est sérieux.
Fobingagai président tu sais. C'est son nom, ce n'est pas de l'impolitesse. C'est son nom, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il doit, s'il est encore homme, humain, sérieux, il doit démissionner. Tu ne peux pas être au pouvoir et voir. On a massacré. Ils ont génocide. Comment est-ce que Bazo soit bibémé, Bomi? Bazo voit quand on d'abord n'a pas Djefan. Djefan est tondé. Comment charger partout n'a pas Djib? Est-ce qu'on vient, on arrive au pouvoir pour tuer son propre peuple ou pour sécuriser ses peuples, son peuple? Problème, vous avez une. Ici, moi je suis d'accord que la MONUSCO ait quitté sol. La MONUSCO coûte au Congo 2 milliards de dollars sur ma baïbité. Et ça fait 21 ans que la MONUSCO est ici, ce qui nous fait 42 milliards de dollars. Kouloutou, 42 milliards de dollars, si on est sérieux, ces pays, ils ont plus que Belgique. Mais et qui pour la bateau, bah coquille comme ça, la moussala n'a pas monté. La MONUSCO est arrivée au Congo pour sécuriser les Congolais. Est-ce que les Congolais sont-ils en sécurité? La MONUSCO aujourd'hui peut-elle justifier ces 2 milliards de dollars à joie par année en termes d'abord à sécurité? N'avez-vous pas attendu que battu à MONUSCO parce qu'il n'a d'abord un d'quel pays du monde mission à Nations Unies à l'aéroport n'abandon aérodrome pardon yabango. Bazan à l'aéroport n'abandon nakat y a pas de cavirunga pourquoi parce que c'est pas tout bazar. Et les gens, quand les gens entendent parler à parc à Vion, ils pensent qu'aux animaux et aux arbres, c'est un parc très riche en minerais. Pourquoi MONUSCO qui n'a pas raconté? La MONUSCO, c'est la plus grande, la plus importante mission des Nations Unies à l'humanité. En termes d'institutions des Nations Unies, agence, PNUD, OMS, tout ça, et en termes de personnel. Cette agence nous coûte 2 milliards de dollars, s'il vous plaît. La ville de Kinshasa, pour se développer, a besoin de 400 millions. Mais ces gens-là nous prennent 2 milliards par année. Pour ne rien faire. Et conséquence, Batouana MONUSCO, par exemple, Botana Banabiswa, Bakinaraba Boatiawa, Bangonde, Grand Prêtre à Congo, ils ont oublié ces dons. Pourquoi Atinda Bangwa? Ça, c'est un. Est-ce que c'est légitime au peuple congolais de demander le départ de la MONUSCO? Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que le peuple a-t-il raison ou tort? Le peuple a raison. Est-ce que la MONUSCO a donné la meilleure ou le meilleur d'elle-même? Non. Pourquoi la MONUSCO? Si la MONUSCO bah, y a qui a pour pas défendre le Congo. Bah, Monique, la mission est calme et la négociation de Simbaté. Pourquoi la MONUSCO n'a pas déclenché le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies? Pour pas commis sa mission, n'a pas une mission facile. Si l'État congolais ne les demande pas, pourquoi bah, on va s'inquiéter? Pour pas défendre 2 milliards. Bah, on n'est pas contre cette mission, mais on est contre leur passivité. On ne peut pas avoir une mission qui nous coûte 2 milliards de dollars dans un pays sous-pauvre parce que le Congo n'est pas un pays pauvre. Congo est un pays pauvre. Mais dans la pauvreté, il y a besoin de 2 milliards. Et dans 21 ans, ces gens nous ont pris 42 milliards de dollars. 42 milliards de dollars, s'il vous plaît. Le peuple demande, c'est depuis 2022. Le peuple demande le départ de ces gens-là. Tshisekedi va les renouveler. C'est Tshisekedi qui est allé renouveler ces gens. Mais il prévient en septembre, mais Bakin, non. Sous Kabila, Bazaki n'a rien progressif. Dans la 7e Assemblée Générale des Nations Unies à Sukawa, Tshisekedi a prolongé pour une année. Sans écouter son peuple, s'il est là parce que le peuple a voulu que Tshisekedi soit là, il doit répondre aux prérogatives et au bon vouloir du peuple. Mais il y a qui au détriment. Il y a mon athée, mon bâton, on a tiré sur le peuple congolais. Il mange mon athée, la gomme à ces gens de la MONUSCO. Ils ont tiré à bout pourtant sur un peuple. Ces gens ont forcé notre frontière. Personne n'a posé la question parce que bah, dans le Rwanda, bah, ils étaient au Congo. Ils étaient allés faire quoi au Rwanda? Étant au Zonga, il faut porter barrière à frontière. Tu vois, quoi, tu pas un bisou. Et tu sais qu'à regard de tout ça, il était quand même allé prolonger cette mission. Aujourd'hui, le peuple n'est pas satisfait toujours. Le peuple demande leur départ. Le peuple n'a rien fait. Rien que demander la sécurité.
Vous ne pouvez pas. C'est que les gens ont développé comme. Je me pose la question. Ma tonga l'insécurité. Vous pouvez développer une maison sous l'insécurité. Je veux qu'un expert appelle développer un terreau des constructions sous l'insécurité. Merci. Le peuple demande son leur départ. Tshisekedi sort les gardes républicains. Quand tu dis Tshisekedi sort les gardes républicains, parce que non, les gardes républicains, la loi de 2006 est claire. Les gardes républicains sont que sous l'autorité du président de la République. Ils ont quatre missions. Première mission, c'est sécuriser le président de la République. Pourquoi on tombe? Deuxième mission, c'est de sécuriser la famille du président, la famille biologique du président. Troisième mission, c'est de sécuriser les visiteurs de Bapayaya président. Quatrième mission, le bien du président. Ces gens-là, Babimakina Balabala, parce que le président était en insécurité, le visiteur du président, un membre de la famille du président ou le bien du président, ils sont sortis pourquoi? Alors que ces gens-là sont sous l'autorité du président. Ça veut dire que c'est lui qui a commandé. Commandé de vendre la caméra, mais non, Robin, sa caméra, ou à qui non, maman, vous y habitez. Ça dit soit tu es autorité, soit tu n'as pas d'autorité. Alors, si le président n'a pas d'autorité, ça veut dire que si le président n'a pas d'autorité, il n'est pas le président. Voilà, vous avez besoin d'une théorie, un agneau ne peut pas commander des lions. C'est là que j'ai dit Tshisekedi doit s'assigner. Ce qui s'est passé à Goma. Mais non, moi je veux ça. Et Mouyaya, non? Et Mouyaya sort de chez lui. Je ne sais pas si Mouyaya a encore sa tête sous ses épaules. Ou soit Mouyaya marche dans le sens contraire. En termes de pyramide renversée. Mouyaya nous dit, il y a eu trouble à l'ordre public. Je pose la question à Mouyaya. Qu'est-ce qui peut justifier la mort d'un Congolais? Est-ce c'est le trouble de l'ordre public? Il poursuit pour dire que cette manifestation n'était pas autorisée. Encore une faute grave pour un ministre. Nous sommes dans un régime conditionnel d'information, l'article 26 de la Constitution. Nous ne sommes pas sous le régime d'autorisation, monsieur l'accidenté ministre. C'est un accidenté, il est devenu ministre par accident. Un ministre porte-parole du gouvernement qui ne connaissait pas lire le prescrit constitutionnel. Nous ne sommes pas sous le régime d'autorisation, nous sommes sous le régime d'information. Est-ce que les autorités du Nord Kivu étaient-ils informées ou pas? Oui, ils étaient informés. Est-ce qu'ils avaient répondu aux organisateurs? Non, ils avaient fait une communiqué. Bah, ils ont communiqué sur les réseaux. Est-ce que j'ai rappelé une communiqué sur les réseaux sociaux? Et la notion de la souveraineté du peuple, c'est ce qui pose problème. Regarde, l'État congolais est défaillant. Au Congo, l'État n'existe plus. Regarde là où l'État congolais intervient. Là où on attend l'État congolais est absent. L'État congolais n'a pas congolais intervenir à deux points. Quand tu es né, ma pension attestation de ou certificat de naissance, attestation de naissance. Sur le coup, ma pension attestation de décès ou certificat de décès. Mais à l'intermédiaire entre la vie et la mort, la naissance et la mort, ce que l'État devait faire. Vous le voyez vraiment, l'État le fait. Vous voyez l'État le fait. C'est ça le grand problème, la notion de la souveraineté du peuple. Le peuple est souverain. L'article 5 de la Constitution. Le peuple est souverain. Un souverain va respecter. Pourquoi il faut qu'on encadre marche. La théorie est science politique. Parce que c'est le souverain qui marche. Il demande à ses travailleurs, donc, aux autorités, où il y a une place. Parce que tout pouvoir émane du peuple. Il y a Tshisekedi, il y a Ngobila, il y a gouverneur, il y a Ngaï souveraine, il y a Tamboula, la balabala langa. Et vous, vous n'avez qu'une obligation de mettre les policiers pour battre la bakonzi ou barota, c'est-à-dire le peuple. Mais arriver à un bilan de plus de 100 morts, de 5 enfants morts, de 95 blessés graves, carnage, vous saccagez une église, une radio, bozuna ba matériel la radio bokenamu. Ça c'est pire. Mais je voudrais dire à Tshisekedi, je comprends que Tshisekedi a une armée bien organisée, très puissante, forte, capable de défendre le pays. Mais on ne défend pas face aux faibles mains vides, mains nues. Tshisekedi aurait bien voulu, j'aurais bien voulu voir Tshisekedi envoyer ses militaires là récupérer Bounagana le plus tôt possible. Ça fait une année, trois mois que nous perdons 1 million de dollars chaque fin du mois, rien que la poste est frontalière.
Teddy Tshisekedi, quand je vois bas sur tout le marché, bas policier, bas robin, bas armé jusqu'au dents, qu'au bête en a bas mineur, qu'au torturé, dans mon roman, bas bête en a bas matraque, tina bas testri, na contre putain, la grave. Mais ces gens-là, la même proportion, y a Fox, la même proportion, y a Fox. Pourquoi sont-ils capables de démontrer cette proportionnalité face au M23, aux ZF, aux Zaïre, aux Codeco et aux autres groupes armés? Merci. Mais au moins, tu dois être informé encore que non. Gouvernement, après le conseil des ministres, à vendredi, comme d'habitude, la délégation, les auteurs, ils ont sévèrement sanctionné. Ça, selon le conseil des ministres. C'est encourageant. J'ai la mort dans l'âme. J'ai la mort dans l'âme. Je suis même un handicapé intellectuellement. C'est-à-dire que on tue plus de 100 Congolais, le président décide d'envoyer une mission. Et vous, oui, papa. Quelle est la solution? Les enquêtes sur Chérimé, nous sommes où? Ça, c'est pour vous demander de dormir, de oublier. On va profiter parce qu'il y aura des frais d'émission, on va remettre avion, on va loger dans à l'État, on va tourner sur l'école. En fait, il n'y aura rien. Écoute comment est-ce qu'on agit. Premier élément, qui est le gouverneur du Nord Kivu? C'est lui qui a été saisi par les gens au organisateur. Comment est-ce qu'il avait organisé l'encadrement de cette activité? Le premier personne a été interpellé. Est-ce que vous cherchez les auteurs? Les auteurs sont visibles. Et le porte-parole de l'armée à Nord Kivu a dit Batoyo, Baza utilisé pour quoi sa régime. N'est-ce pas, monsieur Wano? S'il n'a pas fait l'école militaire, où il est? C'est-à-dire, parfois, ça pousse à sortir des mots forts. Merci. Ces gens ici, c'est pourquoi moi je demande au peuple de ne pas aller dans le congrès IDPS au cas du Mansaïs. Merci beaucoup. Mais le congrès, au cas du Mansaïs, il y a un abîme de l'élection de Kennedy. Oui. Congrès IDPS au Mansaïs, ça va au cas du Mansaïs. Mais l'élection, comme il y a un congrès, je peux les démontrer. Merci beaucoup. Le peuple congolais doit se révolutionner parce que vous ne pouvez pas être là, on vous tue, on vous détruit chaque jour et vous applaudissez. Merci beaucoup. Bafundio, la zoyo qui semble Bafundio. N'a pas de réponse. Oui, oui. J'ai une date de naissance. J'aurai une date de décès. Tu vas là, non, bien. J'ai une date de naissance, j'aurai une date de décès. Donc Bafundio, toté. Mais Bafundate, moi j'ai l'air d'or, mon numéro c'est le 089 39 31 940. Que le procureur Nord a bien le téléphone, je vais venir. Moi je ne suis pas impéré. Ni Tshisekedi, ni quelqu'un d'autre de l'innocent qui peut me faire peur. Je suis né, je sais que je vais mourir. Cette chose n'a évité dans un accident, dans l'assassinat, mais j'ai une date de naissance. J'aurai une date de décès. Je m'en fous de la personne. Moi, je m'en fous. Et surtout, je vous ai toujours dit, quand Galil, le savant italien, avait dit la terre tourne autour d'elle-même, autour du soleil, il a été pendu et tué. Parce que la vérité n'a pas besoin de nombres. La vérité en elle-même, c'est une force, une multitude de forces. Aussi longtemps que je serai dans la vérité, quel que soit les rangs, ou l'auteur, ou la grandeur de la personne qui est en face de moi, je m'en fous. Et perdez-moi d'ailleurs. M. Cécile. Merci. Mais bateau bas sérieux, tu t'es tout le monde m'a envoyé une mission congolais quand bon la paix c'est pas congolais ne sont montés ce qui est pas à 100% congolais mais il m'a plus à ma cala bah docteur bah médecin a posé ma cala bah la grève nini bah médecin mais pardon vraiment bah médecin a posé ma cala bah à 8 mais bah quelle grève poignée bon faut que vous ah bien au médecin mais bateau bas à couler ce banan va soigner mais si quoi bah médecin peut bah la famille
Donc, ma médecin, on a mis 4 médecins. Nazara, c'est 8, c'est 9, boy. Et puis, quand Nazara, c'est un prisonnier, j'ai quand même des canons en prison. Donc, ma bini, ma bini, ma kéri. Ma bini, ma la tête, ma la grève. Pour moi, ils ont été bien pour nous. Ma bini, ma prison, bimité. Le 6e jour. Ou 5e. Ma médecin, ma grève. Pavillon 10 minaires. Ma tournée, moi, pour 73 enfants. J'ai le bazar 627. Enfants. Enfants. Bah, on a pas problème à Bilamba, place à Roulala. Mais bah, t'as 670, bah, il a bon bilo à 73 personnes. Quand tu vas dans la prison, il y a un pavillon, il y a 673 personnes. Donc, bon, bah, ça, c'est la démographie, bah, ça, c'est la ciment et la construction, et tant que je vais tomber dans la prison. Est-ce que le bina paye sa moto? Ça, la maman, bon, mon beauté. Ah, mais plus en ma cala, bah, tout le monde a payé ton boulotin. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il a 2 070 000 $ chaque fin du mois pour faire ce travail. Merci beaucoup. Mais au Pessinani, quand même, au sein de médecin, pas de Et monsieur Sili, bon.